très mécanique. Ma composition, je l'improvise. Pas m'empêcher d'acheter des beaux ouvrages et des beaux magazines. Ça, je pourrais m'en resservir sans le découper ou peut-être en faisant une forme en réserve à l'intérieur. Graphiquement, c'était très intéressant de les poser comme ça sur des fonds blancs parce qu'on a donc un échantillonnage très multiple de tous ces gens qu'on trouvait dans les photos auxquelles on portait aucune attention. Mon plaisir, c'est de recomposer une image équilibrée. En tout cas, j'essaye. Je vais travailler avec la chaise. Qu'est-ce que ça m'apporterait de faire ça? Je pense que c'est suffisant. Parfois c'est une seconde et parfois ça prend 3 jours ou parfois je laisse tomber. C'est vraiment libre création là. Le temps ne compte pas. Moi c'est surtout l'effet de la ville sur nous-mêmes, sur nos corps qui m'impressionne. Lorsque je me retrouve comme ça dans la réalité de ces grands ensembles urbains, je suis dans la perspective et ça donne énormément d'idées sur qu'est-ce qu'on peut développer comme façon de vivre et de comportement avec nous-mêmes. J'ai créé un concept que j'ai appelé Archibody. Et je mets donc le corps en opposition avec le bâtiment. Le fragile, le solide, et le mortel et l'immortel.